Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 165 d'Extreme Warfare Revenge. Dans cet épisode, nous allons avoir notre pay-per-view du mois de mars 2020. On est en 2028. En 2027, il me semble, c'est ça. Enfin bon, c'est dur de suivre maintenant. Alors, petit épisode tourné de bon matin, en tout cas pour cette première partie, puisqu'il y aura quand même 4 shows à faire. Et cette fois-ci, on va tenter de ne pas rater notre pay-per-view. On commence donc assez vite avec le premier show de la semaine, celui du mercredi, Tenacity. On voit juste The Miz arriver en limousine, ça c'est la solution de facilité. The Miz, star de cinéma, donc limousine, boum, 92%. The Miz qui aura juste cette apparition dans le show, et ce sera tout. C'est bien d'avoir The Miz à l'écran des fois, ça suffit juste. On va juste, parce que j'ai pris mes petites notes sur papier pour cet épisode-là, j'avais envie d'écrire. On a juste un petit match pour commencer, un bon match entre Reed Bensley et Neville. Neville qui est en rivalité avec Trey Williams. Oui, de mémoire, j'ai failli oublier. En plus, c'est noté là, c'est bon, pas de souci. Les notes sont assez complètes. Donc, Reed Bensley contre Neville, très bon match. Note finale de 75 avec une réaction à 77 et une qualité à 72. Neville gagne et puis ensuite provoque verbalement Trey Williams, qui l'a battu à plusieurs reprises, souvent par tricherie et une seule fois à la régulière. Neville, évidemment, reconnaît le talent de Trey Williams, mais il veut quand même une revanche parce que les actes de tricherie de Trey Williams ne peuvent pas rester impunis, donc il veut les punir une fois de plus avec des bonnes grosses victoires pour bien faire comprendre à Trey Williams que, oh, quand même, Neville, c'est un ancien champion Relentless Wrestling. Trey Williams, évidemment, répond avec ses poings et avec ses pieds, et avec son stunner pour mettre KO son adversaire. Là aussi, très bon segment, 76%. Adam Cole est dans le ring et s'apprête à défier Aaron Arbo pour le titre Relentless Wrestling, parce que Adam Cole, depuis certains temps, il n'arrive pas à récupérer ce titre. Soit il est attaqué, donc le match est interrompu par quelqu'un d'autre, soit il bat Aaron Arbo, mais c'est par contre extérieur. Donc Adam Cole en a marre, il veut sa revanche, mais cette fois-ci, avant même qu'il puisse encore une fois défier Aaron Arbo, il est interrompu par CM Punk qui fait son retour, puisque le dernier match qu'ils ont eu tous les deux, c'était un match de pay-per-view. CM Punk l'avait gagné, mais il s'était blessé, donc ça justifiait son absence de quelques semaines. CM Punk arrive et dit, écoute, on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on arrête une bonne fois pour toutes. Donc moi je te propose qu'on s'affronte dans un match. J'ai pas noté, c'est même une idée que j'ai eue un peu après. Last Man Standing, boum, stipulation, on arrête quand même la rivalité là, même si Sophie me dit pas que c'est bon. Parce que le truc avec Punk, c'est qu'il peut combattre que lors des pay-per-view, c'est pas un catcheur à temps plein. Et du coup, ça va demander des mois et des mois pour vraiment finir proprement la rivalité. Et j'ai d'autres projets pour Adam Cole. Donc Adam Cole a besoin quand même de gagner cette rivalité lors de ce pay-per-view-là. Et pour CM Punk, c'est pas très grave, c'est une personnalité. On peut très bien se permettre de lui faire perdre un petit peu en popularité. Mais cela dit, ça fonctionne très bien. 93%, on a Adam Cole qui gagne 2 points de popularité pour ce segment. Donc excellent. Donc deux segments qui sont au-dessus de 90%, ça va faire énormément de bien à la note générale du show. On a ensuite un petit match par équipe entre deux équipes rivales, Genesis et Silverwood, contre Unholy Cult, Xavant et James. Donc le but, là, c'est de déterminer une équipe qui va être la prétendante numéro 1 pour le titre par équipe détenu par Alex Silva et Pirata Morgan. Pirata Morgan qui, je le rappelle, prendra bientôt sa retraite à la fin du mois. Donc victoire pour Genesis et Silverwood, puisque les champions sont des heels, autant faire gagner des faces. Donc ça fait en même temps progresser la rivalité. Voilà, bonne petite victoire, petit match. Très bon match d'ailleurs, cela dit, à 79%, c'est une très bonne note. Avec une excellente réaction de la foule, 84%, c'est très très bon. Et la qualité, c'est tout à fait potable, 70%, il n'y a aucun problème. Julia Bells est en coulisses et annonce quand même le main event de la soirée, donc... Voilà, encore un segment au-dessus de 90%, avec Julia Bells, on pouvait s'y attendre, incroyable. On a un match à 4 entre Tyler Breeze, Seth Rollins, Pirata Morgan et DJ Sick, tout simplement pour désigner l'adversaire d'Aaron Arbo pour le titre Relentless Wrestling lors du pay-per-view de la fin de la semaine, le pay-per-view s'appelant Tough and Strong. Donc on donne une petite chance ici à Pirata Morgan, éventuellement, de décrocher un match pour la ceinture suprême du côté des hommes.
donc il pourrait être double champion pour finir sa carrière, mais bon, faudrait d'abord qu'il gagne le match à 4, c'est pas encore tout à fait gagné, il y a quand même pas mal de monde de qualité, hein, de populaire, avec Tyler Breeze, Seth Rollins et également DJ Sick. Alors Aaron Arbo, je voulais juste le mettre à l'écran, bon, il marche en coulisses, ça marche pas aussi bien que le Miz. Hein, seulement 67%, il perd 2 points de popularité, allez, vlam. Il aurait mieux valu ne pas le mettre à l'écran du tout. Ça aurait été mieux. Air Foley est en coulisses. Alors, Air Foley qui a une gimmick de weirdo. Donc, c'est un mec un peu bizarre. Hein. Air Foley, quand même très populaire. Pas très bon dans le ring. Qui nous fait une promo un petit peu bizarre. Il en a marre de prendre la poussière. Il veut sortir de l'ombre. Descendre de cette étagère et monter dans le ring pour montrer de quoi il est capable. Et évidemment, il se plaint que l'autorité ne le reconnaît pas à sa juste valeur. C'est plutôt potable, 77%. J'en attendais pas forcément moins de la part d'Air Foley, donc c'est très correct. Ensuite, on enchaîne avec un match, bon, qui de toute façon, voilà, allait forcément être correct. Sasha Banks contre Bayley, les deux femmes étant très populaires, forcément, boum. 81% de réaction. Bon, la qualité est un peu plus maigre à cause de Bayley qui est un peu moins bonne dans le ring désormais. Mais bon, match à 75%, victoire pour Bayley qui se fait attaquer par sa rivale Ruby Riott qui change de gimmick au passage. Bon, bonne réponse, hein, elle avait une gimmick de tomboy. En gros, c'est une gimmick de femme qui frappe aussi dur que les mecs. Ah, du coup, je lui ai mis une gimmick de badass. Donc bon, voilà. Quand on a deux gimmicks qui se ressemblent bien, c'est pas trop compliqué de faire le changement. Donc, Bayley qui gagne et qui en plus repousse son adversaire, sa rivale, pardon. Donc, excellent. On a donc un dernier petit segment avant le main event, petite signature de contrat entre Anya et Lisa Russell. Les deux femmes vont s'affronter pour le titre Relentless Wrestling féminin lors de Tough and Strong. Évidemment, ça part en cacahuète. Lisa Russell est mise KO par Anya, qui du coup gagne cette dernière bataille, en tout cas du mercredi soir avant le pay-per-view. Parce que j'ai pas totalement tout planifié, hein. Les deux premiers shows sont écrits sur ma feuille. Le troisième, j'ai un peu commencé. Il y a des pistes, il y a des idées. Mais j'ai que 2 segments sur les 11 quand même. Bon, 82% pour ce segment là, c'est excellent. Et on finit avec le main event. Alors match à 4, est-ce que ça va bien fonctionner? Ça fonctionne plutôt bien. Oui, ça fonctionne plutôt bien avec notamment une bonne popularité pour la plupart des participants, même tous en fait. Surtout Seth Rollins évidemment, hein, la méga star. J'ai pas de notes me disant que Seth Rollins perd en popularité à cause de sa gimmick faible. Parce que la gimmick ne fonctionne pas et du coup Seth perd en popularité à cause de ça. Apparemment on n'a pas cet effet là qui s'applique pour ce match, tant mieux. Parce que bon, pour l'instant j'ai pris la décision de lui garder sa gimmick. Je sais pas si c'est une très bonne idée, je pense que pour le pay-per-view ce serait... Old school face, ce serait un risque minime. Et ça fonctionnerait très bien parce que les gimmicks de héros apparemment ne fonctionnent pas, on verra bien. Bon, victoire du Pirata Morgan, hey! J'en parlais tout à l'heure, Pirata Morgan qui finalement va avoir sa chance pour devenir champion Relentless Wrestling. Hey! Donc du coup, évidemment, Tyler Breeze et Seth Rollins auront un match du côté de Tough and Strong, il n'y a pas de problème. Pour quand même pas trop les décrédibiliser, Pirata Morgan gagne en faisant le tomber sur DJ Sick et en trichant. Il a mis ses pieds sur la deuxième corde, l'arbitre ne l'a pas vu. 1, 2, 3, bon, 74%, c'est très correct. Avec évidemment la réaction de la foule qui a bien aidé, réaction à 78, tandis que la qualité était à 66. Et on fait un très bon show, 79%, excellent, vraiment excellent. Pour le coup, on s'en est très très bien sorti. On enchaîne les très bonnes performances le mercredi soir, et ça fait extrêmement plaisir. Alors au niveau du rapport, Reed Bentley et Neville, ça fonctionne très bien dans le ring, c'est super. Emma voudrait des matchs contre Becky Lynch, c'est vrai que les deux ça fonctionne très bien ensemble, et Emma n'a pas beaucoup de temps d'écran en ce moment. Donc c'est vrai, ça pourrait être pas mal. Je lui ai même pas prévu de petite place dans le prochain show, mais il y a peut-être un segment que je vais faire sauter pour le prochain show que je trouve un peu trop tôt. Parce que vous le savez, mon personnage dans mon histoire a dit « je veux devenir catcheur », et j'ai prévu un match pour moi dans le prochain show, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt, faudrait laisser quelques semaines pour dire « ouais, je m'entraîne, tout ça », donc bon, voilà. Donc très bien. J'essaierai d'y penser, Emma, on verra bien. Et je pense qu'au niveau des audiences, ça s'améliore un peu pour Tenacity. Alors de mémoire, je crois qu'on avait 46% ou 44% d'écart avec WWE en termes d'image publique. Donc on va tenter de rattraper ça tranquillement.
On avance jusqu'au vendredi où nous avons un autre show télévisé, donc là ça va s'enchaîner. Show télévisé, pay-per-view, et nous avons un incident. Tyler Breeze est blessé. Ouais! Dites-moi que ce n'est pas trop long, s'il vous plaît, un mois. Ah non, pardon, c'est le... J'ai eu le double changement d'émotion. J'ai fait, oh mon dieu, 12 mois, oh non, ça va, c'est le contrat. Puis je vois en dessous, 16 mois. Purée la carrière de Tyler Breeze. Il a 38 ans, oh là là, avec cette blessure, avec cette blessure. C'est l'effet Miaim. Oh mince. Alors ça, quand même. Oh. Tyler Breeze en plus, quoi. Mince. 16 mois. Et puis j'avais des plans à long terme pour Tyler Breeze. J'avais comme projet de le faire passer en face. Je me demande si j'avais pas abandonné cette idée-là. Oh mais mince quoi, rivalité avec Seth Rollins, complètement ruiné le match entre Rollins et Breeze du pay-per-view qui ne peut plus avoir lieu. Oh ça allait trop bien, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu pour Tyler Breeze aussi quoi, mince, ça c'était un élément important de notre effectif. Bon sang, la rivalité entre lui et Rollins devait les propulser tous les deux dans le main event quoi. En tout cas, dans le statut de main eventer. Oh c'est... dégoûtant, c'est écœurant de voir une telle injustice. Du coup, évidemment, comme d'habitude, petite pensée pour Miaim, qui du coup, elle n'en a plus que pour 11 mois quand même. Hé hey. Mais c'est terrible, franchement, c'est terrible. Et du coup, ce pauvre Seth Rollins qui n'a plus de match pour Turf and Strong. Et ce que j'avais prévu, voilà, j'avais prévu un match pour Tyler Breeze à Charged Up. Oh la poisse! Ah la poisse! J'ai changé la photo de Seth Rollins d'ailleurs, hein, voilà. Magnifique. Oh la poisse! Oh mince. Bon. C'est sur cet horrible coup dur. On a des mails. Des rapports de télévision, des rapports d'audience pour les shows télévisés des concurrents. C'est terrible. Absolument terrible. Donc c'est sur cette très mauvaise nouvelle qu'on va... Enfin que je vais en tout cas faire une toute petite pause. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième show de la semaine et de l'épisode. Unsilenced. TNA City commence tout doucement avec un petit match féminin entre Angel Dust et Nicole Matthews. Bon essentiellement c'est pour leur faire plaisir, pour leur donner un petit match comme ça, un petit peu de temps d'antenne. Mais j'ai vraiment pas de plan... J'ai aucun plan pour les deux en fait. Angel Dust, ça fait pas mal de temps qu'elle prend la poussière. Nicole Matthews, en fait, elle sert juste de temps en temps pour affronter Becky Lynch. Mais justement, j'ai un nouveau plan pour Becky Lynch dans ce show-là. Bon, voilà, petit match, 59% victoire d'Angel Dust. On va pas trop s'attarder dessus. Là, ce qui va être important, c'est le plan de secours pour Seth Rollins. Du coup, qui va changer de gimmick. Les fans sont confus maintenant, c'est pour qu'ils ne soient pas confus pour le pay-per-view, parce que je me doute bien finalement que si je fais des 1 contre 1, on va encore m'embêter avec cette histoire de gimmick qui ne fonctionne pas, donc autant crever l'abcès tout de suite. Ouais, on retire le pansement, hein, tchac ! D'un seul coup, comme ça, on a le temps de laisser passer le truc, et pour le pay-per-view, on aura un Seth Rollins qui, a priori, ne devrait pas être trop dérangé par les fans. Donc, changement de gimmick, il est passé de héros à... old school face, changement très sûr, changement garanti. Seth Rollins qui donc aura un personnage certes un peu bateau, mais assez efficace, il est assez populaire je pense pour rebondir avec ça. C'est Air Forney qui attaque Seth Rollins en coulisses. Alors j'avais prévu à la base pour le main event un match par équipe entre Seth Rollins, Aaron Arbo et Miz et Breeze. Sauf que bon, bah, Tyler Breeze est blessé donc il faut un remplaçant. De toute façon il faut également un remplaçant pour que Seth Rollins ait un rival. Et ça va être Air Forney qui est très populaire, qui est pas forcément très très bon dans le ring. Mais du coup, cette rivalité va surtout se dérouler. Elle va pas forcément se dérouler essentiellement autour des matchs entre Rollins et. Forney. On va donc tenter de faire des trucs, genre des attaques sournoises d'Air Forney, voilà, pour déstabiliser Seth Rollins qui lui fera des performances incroyables dans des matchs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Seth Rollins
sera plus présent dans le ring pour combattre Kier Fury, qui a des stats de combat assez, assez limitées quand même. Bon, cela dit, ça fait un très bon segment, 89%, ça lance bien la rivalité. Alors quand j'ai créé la rivalité, niveau tension était à 95% quand même, parce que les deux sont extrêmement populaires, donc forcément, la foule veut voir cet affrontement. Alors, Tigress Fingers, je l'ai renommé en Faith Tigress, voilà, juste de... plutôt que d'avoir des doigts de tigresse, je me suis dit, allez, on va lui donner un nom, voilà, prénom, nom, tu vas t'appeler Faith, et tu vas, voilà, Tigress, ça va rester ton nom de famille, il n'y a pas de problème. Becky Lynch, donc, est dans le ring, et voilà, elle refait encore son truc de son défi ouvert, son Open Challenge pour son titre Stirring Nova, et c'est Faith Tigress qui débute en interrompant Becky Lynch. Faith qui a énormément de charisme, donc on en profite, ça fait un bon 79%, et on a le match derrière. Normalement, entre les deux, ça devrait pas trop mal coller. Non, pas tant que ça, en fait. Mais niveau popularité, ça colle très bien, quand même. On a un match tout à fait correct. Vraiment. Très correct, malgré, effectivement, le... Voilà, le défaut de qualité, en quelque sorte. Mais ça marche super bien en termes de réaction de la foule. La foule était bien présente, la foule était bien prête pour ce match. Victoire pour Becky Lynch, qui consolide son statut de championne. 73... C'est un très bon score quand même, parce que, bon, Becky est certes populaire, mais niveau stats, elle a un profil un petit peu atypique par rapport aux autres femmes de mon effectif. Donc c'est très bien qu'on ait un match comme ça. Lana ensuite est en coulisses pour mettre en valeur son mari, la brute bulgare Rousseff. Il est dans un état de santé absolument incroyable, il est en forme, il n'a jamais été aussi en forme que maintenant. Voilà. Plus fort que jamais, Rousseff, voilà, Lana qui chante les louanges de son client et de son mari, c'est formidable. 78%. Donc très efficace, Lana, merci beaucoup. Ensuite, petit match par équipe, bon là aussi pour faire plaisir aux participants. Manabu Soya et Jackless The Jester affrontent Sami Zayn et Chris Joel. Victoire pour Zayn et Joel, bon en anglais ça se dit plus Joel. Mais bon, peu importe. Victoire de Sami et de Chris, bref, dans un match, oui, très moyen. Bon, ça, c'est parce que Chris, c'est pas très populaire. Manabu est peu populaire. Enfin, c'est moyen. Et dans le ring, c'est moyen. Je pense qu'il faudrait que je sépare Manabu et Jackless parce que Jackless est jeune. Il a de très bonnes stats dans le ring. Et c'est plus pertinent de le coincer, en quelque sorte, avec Manabu Soya. Du coup, Manabu Soya, c'est triste, mais je ne sais plus quoi faire de lui. Bon, on trouvera bien quelque chose, hein. Un statut de mentor pour quelqu'un, je ne sais pas, on verra bien. Donc Kovacinski, manager de Ruby Riot, est avec sa cliente et attaque verbalement la rivale de cette dernière, Bayley. Bayley qui apparemment est sur le déclin, elle n'est plus aussi talentueuse qu'elle le fut jadis. Et donc Ruby Riot, qui elle est encore au sommet de sa gloire, va forcément prendre le dessus sur sa rivale à la fin de la rivalité. 85%, court, simple, efficace surtout. Très efficace. Là aussi efficace, c'est le match entre Chip Cassidy et Michael Diablo. Michael Diablo, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps quand même, que j'utilise assez peu ces derniers temps. Chip Cassidy, qui, vous le savez, est en rivalité avec Pete Dunne. Alors, je ne sais plus sur qui j'ai mis le titre. Sur Pete Dunne, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, le titre Fantastic va se jouer entre Chip Cassidy et Pete Dunne dans leur rivalité. Donc là, très bon match, victoire de Chip Cassidy. Avec un très correct 73%, on aime bien ce genre de match. Bon, après, les deux sont très bons dans le ring, hein, donc ça ne surprend pas tant que ça. Chip Cassidy ensuite se fait attaquer par Pete Dunne, qui sort une table. Il le fait passer à travers, donc voilà, bam. On commence à avoir des choses un petit peu plus violentes entre les deux hommes. Vous vous doutez bien que le match entre les deux à Tough and Strong ne sera pas forcément un match normal. Ça pourrait l'être, quoique j'ai pas encore pris de décision définitive à ce niveau-là. Mais dans mon esprit, ce sera plus au moins un match hardcore. Voilà, 71%, ça fonctionne bien. Avant le main event, petite vidéo pour faire un petit résumé de la rivalité entre CM Punk et Adam Cole. Voilà, très simple, très efficace là aussi, 85%. Les équipes techniques qui ont fait du très bon travail. Les équipes de montage, nickel, aucun problème, super. Et on a le main event, petit match par équipe. Avec Air Foley qui a pas le moral, c'est vrai qu'il a pas le moral. Ah, c'est peut-être pas une très bonne idée de le mettre dans un ring en fait. J'aurais bah, j'ai pas fait attention, bah oui, parce que je l'ai tellement laissé de côté qu'il a plus tellement le moral, il faut vraiment que je corrige ça. Bon, c'est pas très grave, ça reste un match correct. Le match a été pénalisé par
par la faible motivation d'Air Folie. En plus, voilà, l'équipe Miz et Folie dans le ring, c'est pas bon, forcément. Aaron Arbo, Seth Rollins, c'est très bien, c'est très correct. Par contre, en face, c'est pas aussi simple. 48% de qualité, ça se ressent bien, mais la réaction attrape le reste. 72%, ça reste évidemment très correct. Victoire, pardon, pour Aaron Arbo et Seth Rollins. Et on fait un show très modeste, 70%, mais c'est bien. Franchement, c'est pas mal du tout. On est quand même assez satisfait. Alors, oui, c'est vrai que Seth a râlé. J'ai même pas ouvert le mail avant. C'est terrible. Non, Seth Rollins qui a protesté. T'inquiète pas, Seth, tout va bien se passer. Becky Lynch qui me dit qu'elle est Faith Tigress, c'est pas terrible. Je veux affronter Emma. Ah, décidément, Becky Lynch et Emma, je pense qu'elles s'entendent bien en coulisses. Parce que aucun problème, vos chemistry, ouais, les deux femmes, c'est super. Ouais, d'accord. J'entends bien, Becky. Manabu Soya et Jackless, pourtant ça fonctionne. Ouais, pourtant ça fonctionne très bien en équipe, c'est quand même bien dommage. Barrett Brown serait un très bon adversaire pour moi, me dit Reed Bentley. Merci pour ta proposition. 1.27, c'est très bien. Donc c'est bon, on n'est pas trop mal. Donc, au niveau rivalité, comme je vous ai dit, on est plutôt bien entre Seth et Air Folly 95. Entre Lisa et Anya. 97 entre Adam Cole et CM Punk. 86 entre Ruby Riot et Bailey. Ruby et Bailey, c'est pas tout à fait prêt pour être terminé. Punk et Cole, je vais les finir assez vite. Puisque j'ai d'autres projets pour Adam Cole. Lisa et Anya. Ah, j'aurais peut-être pu la terminer. Quoique, peut-être pas forcément. Non. Pas tout de suite, je pense qu'il y aura au moins un dernier match entre les deux femmes. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle avait été à commencer, on peut bien se permettre de la faire durer encore un petit mois. Bon, puis finalement, on va pas pouvoir finir beaucoup de rivalités. Hein. Même Pete Dunne et Tube Cassidy, ça me paraît compliqué. Ouais. Puis celle-là, je pourrais pas la finir parce que Genesis et Silverwood ont un match prévu contre Alex Silva et Pirata Morgan. Pirata Morgan qui aura du coup deux matchs. Lors de ce pay-per-view, il aura l'occasion de se couronner de gloire s'il les gagne tous les deux. Mais je vous laisse un tout petit peu de suspense à ce niveau-là. Et maintenant, on passe au troisième show de la semaine et de l'épisode, Charged Up, le show du samedi, et c'est le dernier show avant le pay-per-view Tough and Strong. Ce petit show a été très agréable à programmer parce que je savais exactement ce que je voulais faire. C'est très simple, dernier show avant le pay-per-view, donc on se concentre essentiellement sur la rivalité et sur les titres, avec notamment The Miz qui est en coulisses et qui, bon, on va le faire venir sur le ring quand même, on va pas écouter ce que dit le jeu. Il vient sur le ring et présente la bataille royale pour désigner son adversaire à Tough and Strong, car oui, The Miz va évidemment devoir défendre le titre Firestar. 90%, bon. La bataille royale, je pense pas que ce soit aussi bien que ça, évidemment, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui sont pas forcément extrêmement populaires. Donc ce sera un match, voilà, extrêmement moyen. En plus, Australian Suicide commence une nouvelle gimmick qui ne passe pas du tout. Alors là, le match, il est pas bon. 62%, c'est pas une bonne bataille royale. En même temps, ouais, j'ai pas mis des gens extrêmement populaires, quoi. On avait quand même Neville dans le tas, il y avait aussi Cha Williams, les deux étaient quand même assez populaires. Reed Bensley est très populaire aussi. Bon, c'est Joey Vengeance qui finit par gagner en battant Rusev en dernier. Donc Rusev qui se fait éliminer comment ? Blablabla. Diamond Cutter et boum, Rusev se fait ensuite éliminer par Joey Vengeance, qui va donc avoir son petit match pour le titre. Pas sûr que ce soit une très très bonne idée, peut-être que je vais mettre ce match dans le pré-show parce que on le sait, The Miz est pas très bon dans le ring, mais Joey Vengeance est pas... Lui, il est bon dans le ring, mais il est pas très populaire. Donc peut-être que c'est bien de défendre le titre au pay-per-view, mais c'est peut-être pas très raisonnable de faire ce match dans le show principal. Donc peut-être que je vais changer ça. Julia Bells annonce que finalement, on va avoir le match pour le titre par équipe ce soir, parce que quand même, donc évidemment, les concernés sont déjà au courant. Donc les quatre participants, ainsi que leurs alliés, leurs plus proches alliés, je pense notamment à John Cena pour Alex Silva et Pirata Morgan, puisqu'elle veut que Pirata Morgan, qui doit affronter justement le champion Reigns Wrestling, Aaron Arbo pour le titre, soit en pleine forme pour ce fameux match de titre. Donc, pour éviter que Pirata Morgan ait deux matchs dans la même soirée, on avance un des deux matchs à ce soir, comme ça,
il est à peu près en pleine forme, parce que pour le deuxième match, évidemment, ce sera demain soir, donc il sera pas forcément totalement en pleine forme, mais bref, on se comprend bien. 86%, c'est une très bonne annonce. Ensuite, on voit justement John Cena, Alex Silva et Pirata Morgan qui sont en coulisses. On a Morgan et Silva qui s'échauffent, John Cena qui les motive, surtout qui encourage Pirata Morgan qui lui dit que tu vas voir, tu vas finir ta carrière sur un super truc, tu vas être champion par équipe et champion Relentless Wrestling, je crois en toi. 84%, excellente note. On enchaîne ensuite avec Gregory James et Zig Zavant qui provoquent verbalement, qui réagissent du coup à cette information. Ils souhaitent bonne chance aux challengers, à Jack Silverwood et Ryan Genesis. Ils espèrent que Ryan et Jack vont gagner puisqu'ils vont adorer les écraser pour ensuite leur voler le titre. Enfin, le voler plutôt, le gagner, leur prendre le titre de façon légale, légitime. Ils se frottent les mains là les deux, ils se disent ah super, on espère qu'ils vont gagner comme ça derrière, hop, on les bat, on est champion par équipe et on est content. 75%, donc voilà, pas mal de blabla. Mais maintenant, on va voir quelques matchs quand même de temps en temps pour avoir un show plutôt correct. Emma qui se sent un petit peu délaissée à un match contre Bayley. Bayley va gagner sans trop de problèmes et repousser une attaque de Ruby Riott. On donne un petit point supplémentaire à Bayley dans cette lutte. Alors on voit que le match est pas terrible parce que ça colle pas trop entre les deux femmes. Mais je comptais plus sur la popularité qui est pas si mauvaise que ça. Donc voilà, au bout du compte, ça fait un match à 67%, ce qui est pas mal. Greg Burridge est avec son client Neville et fait une promo, enfin en tout cas l'un de ses clients, et fait une promo pour s'adresser à Trey Williams. Trey Williams qui en plus, je le rappelle, à un moment dans la rivalité entre lui et Neville avait attaqué Greg Burridge pour lancer un message à Neville. Alors Greg Burridge annonce que là ça fait 3-3 entre les deux hommes, bon avec quand même deux victoires par tricherie de la part de Trey Williams, donc même s'il y a un match nul, il va y avoir un septième match entre les deux hommes lors du prochain pay-per-view, et Neville est remonté, il a envie de défendre son manager, il a envie également de redorer un petit peu son blason, puisque la dernière fois qu'il a perdu contre Trey Williams, c'était à la régulière. Et il faut que ça change, 83%. Anya est dans... Anya se balade en coulisses, sauf que pas de bol, elle croise Lisa Russell, qu'elle a quand même attaqué en traître lors de leur signature de contrat, lors du premier show de la semaine. Lisa, quand même, elle est gentille, mais il faut pas trop la prendre pour une poire. Elle voit son ennemi. Boum, elle l'attaque. Allez, vas-y, ma cocotte. Tu voulais m'attaquer, tu m'as eu. Et ben moi, je fais pareil. 87%. Donc, comme ça, la tension monte quand même. On est en train de créer de la tension là pour le prochain pay-per-view. Ça va être formidable, ça va être incroyable. Quel enthousiasme, Kev. Bravo, franchement, bravo. Seth Rollins affronte Barrett Brown. Un petit match très correct. Vraiment très correct. Même en termes de qualité, c'est... Bon, en même temps, je m'y attendais un petit peu, j'ai vérifié un petit peu les stats. Même popularité, c'est pas si moche, hein, parce que Seth a quand même... Ouais, il a quand même eu une chute de popularité à cause de son changement de gimmick un peu trop soudain, malheureusement. Il reste à 85. Malheureusement, il passe en dessous de 90. Et il va quand même battre un Barrett Brown qui a fait un très bon match, mais qui perd quand même. Alors, d'autant plus que le nouveau rival de Seth Rollins, Air Foley... D'ailleurs, je pense que je vais le renommer parce que Air Foley, j'aime pas trop. Air, c'est quoi Air? N'importe quoi. Je pensais l'appeler Roy, voilà. Je trouve que ça fait viril. Roy Foley. Ouais, c'est pas mal ça, je vais changer son nom juste après. Donc Roy Foley a tenté d'attaquer Seth Rollins, il s'est raté. Hein, voilà, Seth Rollins qui avait des yeux partout. Il tournait la tête dans tous les sens, il était nerveux et tout. Il voit son ennemi, il esquive l'attaque. Roy, sans le faire exprès, tape de Barrett Brown, qui ensuite se prend un magnifique stomp, un curb stomp, 1, 2, 3 terminé, et en plus, Seth Rollins, il expulse les deux du ring, il est en feu, il met le feu partout, burn it down, oh yeah. Ensuite, Adam Cole, baby, fait une dernière petite promo contre CM Punk, en mode, ok, t'es revenu, tu me pourris la vie. T'as raison, il faut qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Ce Last Man Standing pour Tough and Strong va nous permettre de régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Et je te garantis que je vais te battre, mais dans le cas absurde où tu me battes, je m'efforcerai de respecter en quelque sorte ce marché. Je te laisserai tranquille. J'espère que tu me laisseras tranquille puisque de toute façon, c'est toi qui vas perdre ce match. Voilà, bon. Voilà, Adam Cole qui passe très vite sur la possibilité qu'il perde, puisqu'évidemment pour lui c'est inconcevable,
88% Adam Cole. Le charisme d'Adam Cole, c'est quand même pas mal. Ok, ensuite, est-ce que j'ai bien... Oui, j'ai bien cliqué normalement. Non, bah, ça passe pas. On a le main event, il me semble, après. Allô, ça fait deux fois que je clique. Oui, c'est bon. Oh, bah, le match est pas si terrible que ça, tiens. Oh. Eh ben, j'ai bien fait de le faire ce soir. Comme ça, on perd pas trop... Enfin, on perd pas trop à avoir une note pas terrible. Bon, victoire pour les champions par équipe. Pirata et... Bon, Pirata Morgan et Alex Silva restent champions par équipe. Donc, Pirata Morgan a encore la possibilité d'avoir deux ceintures à la fois. Le match est moyen. Qualité 68, réaction 73, note finale 71. C'est pas fou, mais bon, c'est normal. On va dire que c'est, ouais, c'est moyen. Effectivement, c'est moyen. Bon, avec Jack et Ryan qui sont pas au top, top, top. Quoique même Pirata Morgan, il a jamais été vraiment très top. Mais on fait quand même un show vraiment très correct à 77%. Un petit peu plus de... Ouais, je pense qu'il y a un petit peu plus de constance que pour Tenacity. Encore un incident. Non, me dites pas que c'est Seth Rollins qui s'est blessé. Ou pire, Adam Cole. Ou... non, mais non, en fait, les deux, ce serait aussi grave. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une offre de job. Non, mais les mecs. Salut, nous, on est genre Cult, c'est Cult National Global, ouais, c'est ça. Salut, on est une toute petite structure qui est genre deux niveaux en dessous de vous. Je sais que niveau prestige, c'est pas top, mais ça vous dirait pas de bosser pour nous. On a un budget, ils pourraient séparer, ils auraient pu mettre des virgules au moins. Sérieux, attends, hein? Hein? Quoi? Ah ouais, ils ont un budget de 132 millions. Mais qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Enfin, qu'est-ce que vous ne faites pas, justement? Tellement de trucs que vous pourriez faire. Mais comment vous retrouvez-vous avec autant d'argent? Ça se trouve, ils n'arrivent pas à recruter, malgré leurs moyens financiers incroyables. Bah, niveau production, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais non, non, franchement, non. Non. Je veux pas bosser pour un concurrent inférieur, c'est absurde. Voyons. Moi qui ai tracé ma route jusqu'au sommet, ou presque, presque. Hein, presque. La chaîne de télévision, est-ce qu'elle est toujours ok pour nos audiences, là? Hein, on est à peu près constant. Est-ce qu'elle est toujours un peu inquiète? Ils sont contents. Ah non, c'est peut-être Tenacity qui les inquiète. Ah non, c'est Tenacity qui les inquiète. Ouais. Ils sont toujours inquiets pour le lundi soir. Le mercredi soir, pardon. Ok, on est donc prêt pour le dernier show de cet épisode et le dernier show de la semaine. Notre pay-per-view du mois de mars. Du coup, on confirme l'année 2027, oui, c'est ça. 2027, Tough and Strong. Bienvenue à Tough and Strong. Que de l'action, que des matchs. Et on espère que ça va bien se passer. On s'est fait plaisir d'ailleurs au niveau du budget. On a invité un grand groupe de rock. On a dépensé 4 millions de dollars pour rendre cet événement encore plus épique. En même temps, on a tellement d'argent, pourquoi ne pas l'utiliser? Ce serait bête, autant prendre des trucs très chers pour que ce soit formidable et tout. On met le paquet. Alors j'ai quand même bien fait de mettre Joey Vengeance et The Miz dans le pré-show quand même, parce que le match est moyen, 70%, avec quand même une grosse réaction de la foule, c'est quand même très bien. Alors, The Miz va tricher. Donc voilà, petite victoire avec un roll-up et voilà. Il chope le collant. Bon, ça va. On va dire que c'est dans le feu de l'action. Il voulait vraiment faire un roll-up normal. Il a chopé le collant ou le slip. Oh, c'est pas. Je suis sûr qu'il l'a pas fait exprès. Hein, c'est pas le genre du Miz de faire ça. Bon, bref, The Miz qui conserve son titre, qui gagne en image. En tout cas, son image s'améliore. C'est très bien. Et donc là, on va entrer. Dans le gros du show, et ça commence... je l'aurais mis plus bas dans la carte, celui-là, en fait, ou plus haut, enfin bref, je l'aurais mis de façon plus vers la fin, ce match-là, si j'avais su, parce que Pete Dunne contre Trip Cassidy, en même temps, c'est normal. C'est vrai que je les sous-estime un peu,
C'est vrai que la réaction est bonne en fait, hein, 74%, mais la qualité Pete Dunne va gagner le titre. Donc ça fera pas un règne super lent pour Tube Cassidy. Bon, je vais peut-être pas faire une histoire patate chaude avec le titre, je sais pas encore à vrai dire. Mais voilà, je voulais que les deux puissent se goûter un petit peu à l'or, histoire quand même que je leur donne un petit peu d'importance, et aussi que je donne un petit peu d'importance à ce titre. Alors justement, puisque j'en parle, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire pour l'épisode précédent, que ce serait pas mal que je défende un peu plus souvent, ou plutôt que je fasse plus de changements de titre à la télévision. Ah, c'est ça qu'il voulait dire peut-être. Ou faire des changements de titre, non, faire des changements de titre plus souvent. Alors faire des changements de titre très souvent, c'est très périlleux, ça a plutôt tendance à dégrader l'image d'un titre. Ce qui compte avant tout, c'est pas forcément de changer le titre, machin, c'est surtout de faire des bons matchs de titre. Et après, c'est vrai quand même, d'une façon générale, c'est expliqué dans le guide du jeu, le titre se porte un peu mieux quand on a des règnes quand même assez conséquents. C'est vrai que faire des règnes très très courts, c'est pas forcément très conseillé pour le prestige du titre. Il faut quand même de temps en temps laisser un champion bien s'installer, mais ça veut pas non plus dire qu'on ne peut pas se permettre de temps en temps des petits changements de titre, qu'on casse un petit peu certaines habitudes, histoire de faire des choses un petit peu différentes. Donc là pour le coup, excellent match, vraiment super, qualité 90, réaction 74, note finale 82, très solide match pour commencer. Après s'il est trop bon, ça va peut-être faire de l'ombre aux autres matchs qui sont derrière, parce que ça c'est toute la subtilité de ce jeu. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le même truc qu'au pay-per-view précédent, on n'a pas le malus, le gros malus sur les notes des matchs, et ça tombe bien parce que des matchs, on n'a que ça, il n'y a pas d'angle, juste des matchs, parce qu'en même temps j'ai plein de rivalités en cours, faut bien les faire avancer un petit peu. Je pense qu'on a quelques-unes qui vont se finir à la télévision, histoire de passer à d'autres trucs et avoir une carte un petit peu plus neuve pour le prochain pay-per-view. On enchaîne donc avec Genesis et Silverwood contre Unholy Cult. Malheureusement, ce ne sera pas un match pour le titre par équipe. Hélas. Genesis et Silverwood vont s'imposer grâce à une erreur de communication entre James et Xavant. Qu'est-ce qu'il nous dit le jeu? Xavant veut faire une descente du coude. Ah oui, mais il tape son adversaire sans le faire exprès. Son partenaire, pardon. Il tape Gregory James sans le faire exprès. Donc ensuite, il se fait dégager du ring. Front flip dropkick par notre ami Jack Silverwood, 1-2-3, victoire, mais quand même, parce que bon, faut quand même motiver un petit peu la suite de la rivalité, petite attaque en représailles de la part de James Xavant, donc comme ça, voilà, c'est bien, qualité 72, c'est correct, réaction 81, c'est très bon, et note finale 78, c'est très bon aussi. Super, on a deux matchs très solides, on s'approche du 80%, pareil pour Neville et Trey Williams, c'est du solide, hein, c'est du solide, on est bien là. Neville va gagner ce match, puisque Trey a encore tenté de tricher quand même, parce que c'est un pay-per-view, il s'est un petit peu laissé emporter par l'événement, par le prestige en quelque sorte de l'événement. C'est un pay-per-view, il faut gagner, parce qu'une victoire dans un pay-per-view c'est hyper important, parce qu'il a déjà gagné, enfin il y a déjà eu des matchs entre les deux à la télévision, mais voilà, là le truc c'est qu'il faut vraiment, vraiment qu'il gagne ce match, et ce qu'a fait Trey Williams, c'est qu'il a triché, et l'arbitre a fini par le disqualifier, parce qu'il a fini par le voir. Alors au début c'était un peu confus, parce que il pensait avoir gagné Trey, alors qu'est-ce qu'il avait fait exactement? Ah, il avait un point américain, c'est ça. Ok. Pendant que l'arbitre était sonné, et je crois qu'il y a un autre, ouais, il y a un autre arbitre qui est venu pour dire « Oh, monsieur a triché là !» Sauf que, on va voir dans d'autres matchs, il y a des mecs qui vont tricher, mais ils vont pas se faire prendre. En fait, ouais, tous mes méchants, tous mes heels vont tricher dans ce... ou presque, dans ce pay-per-view là. Enfin bref. Donc, qualité 73, c'est correct. Réaction 82, c'est très bon, et notre finale 79, c'est très bon là aussi, donc là... Neville célèbre assez sobrement, il regarde juste Trey bien dans les yeux, histoire que Trey soit bien dégoûté. Trey évidemment lui rend son regard, parce qu'il est quand même très frustré. Alors ce match, match très correct là aussi entre Bayley et Ruby Riott, même si la qualité n'est pas au rendez-vous, mais c'est bien, on a quand même la réaction qui rattrape le coup, donc c'est vraiment très bien. Ruby va gagner, mais en trichant quand même, elle va céder un tout petit peu, elle va peut-être... qu'est-ce qu'elle fait déjà? Ah, ça c'est très bien, j'aime beaucoup. Elle enlève la protection dans le coin, comme ça Bayley se prend la tête contre l'anneau qui était exposé du coup. Et ça va permettre à Ruby Riott, de faire un petit roll-up. Ça c'est très bien. Vraiment très très bien. Et l'arbitre n'a pas vu. Donc là, la personne ne va dire « Madame Riott a triché ». Non, pas vu, pas prise. Voilà.
Donc qualité 57, c'est pas très bon, mais la réaction est assez bonne. Hein. Dans les rivalités, on peut se permettre de faire des matchs contre des personnes qui n'ont pas fait le même profil dans le ring, parce qu'à l'arrivée, ça fait quand même un match à 77%, donc quand même très correct. Voilà. Ensuite, je crois qu'on a un gros match derrière. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, c'est bien. Il y a une conséquence un peu dommage pour l'un des deux participants, mais on a effectivement ce gros match Last Man Standing pour finir la rivalité entre Adam Cole et CM Punk. Alors évidemment, c'est d'une violence incroyable. La foule est déchaînée. 90% pour la foule. Qualité du match, seulement 52, ce qui fait qu'on a un match à 78, avec bien évidemment la victoire, comme c'était prévu, d'Adam Cole, baby, avec The Florida Key, qui vient donc achever CM Punk. L'histoire est finie entre les deux hommes. Alors évidemment, la rivalité, c'est pas forcément fini proprement, ça fait donc un point en moins pour CM Punk, qui est moins populaire, 6 points en plus pour Adam Cole, ça c'est ce qui était recherché, parce qu'encore une fois, Adam Cole est à temps plein, donc c'est vraiment un catcheur à temps plein, ce qui n'est pas le cas de CM Punk, donc on peut se permettre, en plus c'est minime comme conséquence, CM Punk quand même, voilà, il reste assez populaire, évidemment, on pourra le voir de temps en temps dans des petits matchs, mais c'est vrai que l'impliquer dans une rivalité, c'est vrai que, de toute façon, d'une manière générale, impliquer des catcheurs qui ne peuvent se battre qu'aux événements spéciaux dans des rivalités, c'est un petit peu tendu, c'est pas forcément une très bonne idée, mais quand je l'ai fait, je savais très bien dans quoi je m'engageais. Donc voilà, c'était plutôt pas mal comme arc scénaristique, je pense. On a fait des choses vraiment, vraiment pas mal. Donc très bien, Adam Cole qui profite pleinement de la fin de cette rivalité. Et on a un match là aussi qui est au niveau des notes, un peu comme les précédents. Donc on est bien, on s'approche des 80%. Oh là 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 là, ce match aurait dû être le main event. Oh là 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 là, le 87%, les filles. Anya qui conserve, j'hésitais pour ce match-là. J'étais en mode, est-ce que c'est bon pour Lisa? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on lui fait gagner le titre très très vite? On va attendre un tout petit peu et Anya conserve sa ceinture, mais en trichant. Bon, le jeu nous ressort le coup du point américain. On va dire que... Non, moi j'ai envie que ce soit genre un doigt dans l'œil. Genre la fourchette, allez boum, les doigts dans les yeux, pouf, comme ça, Lisa est aveuglée, Anya plante son finisher, 1, 2, 3, ça me plaît bien. Ouais, on change un peu l'histoire, parce qu'après tout, c'est moi qui décide, hein. Le jeu entre pas dans ce genre de détails, il ne dit pas comment est-ce qu'on veut que la triche ait lieu, c'est un peu dommage, mais bon, le jeu pour l'époque était quand même vraiment très bien. Après voilà, c'est du calcul, on peut broder comme on veut, en termes de roleplay, il n'y a pas de problème. La foule était en feu, 97%. Et voyez à quel point ça booste quand même une rivalité, ça booste énormément la note générale du segment parce que on a quand même 87 de réaction, ce qui est énorme, mais on a un petit 66, donc on aurait dû être un peu entre les deux, on aurait dû être autour de 81% par exemple pour ce segment-là, mais quand même 87% de notes pour ce segment-là, pour ce match-là, c'est vraiment très bien. J'ai un petit peu peur pour les matchs d'après du coup, parce que je me doutais bien que la qualité serait pas au top, parce que justement... Les profils des deux catcheuses sont pas vraiment géniaux, mais c'est vrai qu'elles sont tellement populaires et la rivalité est tellement, tellement énorme. Je m'attendais plus à un truc comme entre Adam Cole et CM Punk. Voilà. J'ai un peu sous-estimé ces deux femmes qui nous ont fait un super match. Incroyable. Enfin, en tout cas, en termes de qualité, on voit bien que c'est pas si extraordinaire que ça, mais le match dans sa globalité, en termes d'ambiance, d'histoire, machin, c'était incroyable. Magnifique. Du coup, j'ai un peu peur pour le match d'après. Eh ouais, voilà. Pirate et Morgan contre Aaron Arbo, c'est un match, j'aurais dû inverser avec le match d'avant. Ouais. Je me doutais bien que là, ce match-là serait pas forcément très bien. Cela dit, je l'ai passé, je crois qu'il est juste avant la... C'est l'un des derniers matchs, hein. Je l'ai placé là aussi parce qu'il fallait qu'elle met un petit peu la foule quand même. Voilà. C'est pas du tout là... C'est l'avant-dernier match ou c'est l'avant-avant-dernier match? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, effectivement, le match a souffert de ce qui s'est passé avant. Le match d'avant était incroyable. La foule était complètement délirante. Là, elle était complètement en délire. Là, effectivement, la foule... 60%. Alors que pourtant, la qualité est pas mal. 80%, donc 70%. C'est vrai que le titre perd en prestige. C'est un peu dommage. Aaron Arbo gagne quand même. Ce match qui a déçu la foule,
Ça, c'est un peu dommage. Donc, pas de titre malheureusement pour Pirata Morgan, qui est très peu populaire quand même par rapport à Aaron Harbaugh. Pirata Morgan, en termes de statut, c'est un mid-carder. C'est même pas un upper mid-carder comme Aaron Harbaugh. Donc, c'est vrai que c'est un peu stupide. Alors, quand même, après le match, bam, Adam Cole, bye bye, encore lui, attaque Aaron Harbaugh. On va commencer un programme entre les deux, quand même, hein. Voilà. Je pense d'ailleurs que Adam Cole va en ressortir vainqueur. Il va peut-être enfin réussir à récupérer son titre. Et une fois qu'il aura fini ce programme-là avec Aaron Harbaugh et que Seth Rollins aura fini son programme avec comment il s'appelle Roy Foley, on va se faire un petit programme entre Seth Rollins et Adam Cole. Oh, ça va être bien. Ok, donc je démonte mon bureau, moi. Donc 70% pour ce match. Un peu décevant, c'est dommage, mais on espère que ça va remonter un peu derrière quand même. Hein, je crois qu'il reste deux matchs derrière, il me semble. De mémoire, je crois qu'il en reste deux. Non, bah, c'était l'avant-dernier match. C'est très bien. C'est très bien qu'on ait un petit peu calmé la foule. Comme ça, boum, on balance Roy Foley et Seth Rollins. J'ai beaucoup hésité à mettre ce match en main event. Et bah, c'est l'un des moins bons matchs, en fait. J'aurais dû mettre les filles. J'aurais dû mettre les filles. Eh ouais. Eh ouais, parce qu'elles ont fait un truc vraiment très chouette, Anya et Lisa Russell. Bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Donc, bon, Seth Rollins va battre Roy Foley, donc j'ai envie d'accorder un statut un petit peu plus important à Roy quand même, parce qu'on l'a laissé pas mal sur l'étagère prendre la poussière. Seth Rollins, j'ai envie de lui donner beaucoup d'importance, donc je le protège au maximum. Donc évidemment, la défaite qu'il y a eu dans le match à 4 pour déterminer l'adversaire d'Aaron Harbaugh, c'est pas lui qui a pris de tombée. En plus, le vainqueur a gagné en trichant, donc Pirata Morgan. Donc voilà, Seth Rollins, je vais pas le faire perdre tout de suite. Et quand il perdra, ce sera probablement avec un coup bas, certainement. Un coup en traître, quoi, un acte de tricherie. Parce que Seth Rollins, ça va être notre petit protégé. Roy Foley perd quand même un point de popularité à cause de ce match. Parce qu'à mon avis, il est encore un peu au-dessus par rapport à Seth. Bah oui, Seth qui a perdu en popularité à cause de son changement brutal de gimmick. Mais bon. Voilà, c'était ça où on voyait le truc diminuer petit à petit. De toute façon, s'il fallait attendre un mois, Seth perdrait beaucoup trop de popularité. Autant, voilà, comme je disais, arracher le pansement et comme ça, c'est bon. Donc, qualité 45, parce que Roy Foley dans le ring, hein, c'est pas foufou. Et réaction quand même 88. Hein, voilà, faut pas abuser non plus, les deux sont très populaires. Du coup, 75%, ça reste un match quand même assez correct. Même si c'est pas, voilà, c'est pas le meilleur match. Bah c'est l'un des moins bons matchs en fait. Donc en fait, Pete Dunne et Tube Cassidy, on voulait le show en fait, parce que c'est quand même un titre assez peu important quand même, le titre fantastique. Et bien sûr, on a Annalisa Russell. Mais la dernière fois, je me souviens très bien, je les avais mises en main event et ça avait pas si bien fonctionné que ça. Mais maintenant que la rivalité vient d'avancer, bah forcément, ça donne des matchs qui sont bien quoi. Niveau ambiance, on est bien. Ah, je suis content. On a fait quand même un très bon pay-per-view. On a fait de très bons shows. Pay-per-view à 77%. Moins bon que le premier show télévisé. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Yeah, that last feud rock. It has helped my career a lot. Adam Cole, baby, qui me remercie. Tu le mérites, Adam, tu le mérites. Seth Rollins, voilà, qui me dit, je pense que je suis un peu trop dans la carte. Il n'est plus main eventer. Il est plus digne de ce statut-là, malheureusement. Les fans ont l'air de pas trop m'apprécier quoi. Ah, c'est dommage. Bon, on gagne des sous avec Tough and Strong évidemment. On en a dépensé aussi avec le groupe de rock célèbre. Alors, ah, on est de nouveau en guerre avec WWE quand même. Ils ont toujours plus de stars que nous. Bah oui, forcément. On leur pique des stars puis on en fait des plus stars en fait. Bon, on est quand même mieux en termes de qualité dans le ring. Hein. Faut pas non plus abuser. Ah! Pour l'AI, c'est l'inverse. Ah, du coup, ça peut être intéressant de voir un petit peu les talents qu'ils ont. Pour leur piquer. On va piquer les stars chez WWE. Et on va piquer les gros talents dans le ring chez Triple A. Alors, TNA, par contre. Ils ont plus de stars que nous aussi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais je vais pas m'en sortir, moi. Bon, en termes d'image publique, on est à 32%. Je crois pas qu'on ait beaucoup bougé depuis le début de la semaine.
J'ai pas pensé à regarder combien j'avais au début de l'épisode. Bon, on va regarder l'écart avec WWE. Donc on était à 32%, WWE est à 76, donc 44. Je crois que c'est à peu près pareil en fait. On a du mal, hein. Ah, terrible, terrible. Terrible. Hein. Y a pas des gens de... Ouais, Triple H, tiens, Helen Roberts. Ah, bon, je vais essayer de voler des gens, hein. Prenez du prêt. Super... Ah tiens, je pourrais récupérer Supremely Great. Mais non, dans le ring, il est pas terrible. Il est pas terrible. Ouais. Donc, TNA, je pique des stars. Triple A, je pique des talents dans le ring. Ça me paraît bien. Ça me paraît vraiment très bien. Tiens, il y a Nikki Bella qui est en fin de contrat. Non, je pense pas que Nikki Bella ce soit terrible, hein, franchement. Bon, c'est très bien. On va avancer un petit peu quand même, histoire voilà, de faire les choses proprement. Hein. Comme ça, on est prêt pour le prochain épisode avec un show télévisé. Donc, on a passé la moitié du mois. On a fait une bonne semaine là quand même. On était bien. On était très bien. En termes de, voilà, de mail, pas grand chose. On va évidemment, évidemment, quand même, tout de suite. On va être logique. Allez, Seth Rollins contre Roy Foley. Ouais, non, quand même. Adam Cole et. Non, non, Adam Cole et Aaron Arbo quand même. Voilà. Rivalité majeure, c'est normal. 95%. Pardon. Calme-toi, Kev. Ça va, calme-toi. Bon, par contre, entre Seth et Roy, ça a retombé un petit peu. Hein, parce que justement, quand j'ai commencé aussi, c'était à 95%. Bon. Alors, Seth, ouais, du coup, on va voir vite fait cette histoire de popularité. Il était à 85 tout à l'heure. Il a 83. Il a perdu 8 points dans cet épisode. Oh, c'est une catastrophe. Oh là 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 là. Du coup. Bon, ça va, il perd pas trop le moral parce que c'est normal de le descendre. Enfin, de... au sens figuré, bien sûr. Enfin, figuré, oui. Pas dans le sens de le tuer, bien sûr, mais. Pff, quel gâchis, qu'est-ce que j'ai fait avec cette Wins. Mais c'est. Ah, quand il y a une gimmick qui marche pas, c'est terrible. C'est horrible, c'est absolument atroce. Bon, vous inquiétez pas, on va prendre soin de cette Wins, on va le chouchouter. On va lui mettre des matchs contre des jobbers. Il va être incroyable. Voilà. En plus, il a du charisme, on va le faire parler, il n'y a pas de problème. Ok, Adam Cole. On doit te protéger, Adam Cole. Pff, Adam Cole, baby, yay. Voilà, comme ça, c'est bien aussi les petites rivalités comme ça qui se finissent pas forcément proprement, parce que je l'ai fini assez vite la rivalité, mais ça permet à Adam Cole d'avoir un gros gain de popularité. Comme ça, boum, monsieur Main Eventer, c'est très bien, on en a besoin, voilà. Et bon, Punk, c'est pas très important, je reste à 93, voilà. Ça l'a même pas trop blessé en termes d'ego, en termes d'image. Donc on est bien. Punk, il est encore au top. Donc on va forcément continuer un petit peu à le voir aussi, hein, quand même. Parce que voilà, voilà. On est bien. Anya. Anya et Lisa Russell. Anya 92. Très bien. Super. Voilà, on protège un petit peu Anya quand même. Lisa Russell. J'aurais peut-être pu la faire gagner. Ah, mais en plus, les deux sont des main eventers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû les mettre en. Dans le main event, j'aurais dû. Oh là là, Kev, t'as fait n'importe quoi. Oh. Oui, mais regardez le dernier pay-per-view. Firebreath. Ça avait fait 78. Elles ont fait 87, la progression. Eh. Bien, hein. Bien. Alors, cela dit, bah, en fait, c'était normal. C'était quand même le meilleur match. Ah oui, quand même. Donc, c'était pas. Non, c'était pas absurde, en fait. Pas du tout absurde. Ok, donc c'est très bien. On va se quitter là-dessus. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode d'Extreme Warfare Revenge. On est en forme et on va faire en sorte que ça continue. Salut tout le monde, à la prochaine.